la vidéo. Oui, pardon, la vidéo. Alors les amis, Trackmania, qu'est-ce que c'est? C'est parti. Trackmania est un jeu de course où l'objectif sera de terminer 4 maps sur 5 essais différents à chaque fois. En fonction de notre position d'arrivée, un certain nombre de points sera donné. À la fin des 4 maps, un classement sera établi. C'est un jeu pouvant être joué en solo et en équipe, mais attention parce que c'est l'un des jeux les plus stressants de la ZLAN. Voilà, voilà. Bonjour à tous. On est sur Trackmania, messieurs, dames. On est déjà sur le serveur et on attend. Donc effectivement, c'est le deuxième jeu de cette ZLAN et c'est... Un, avec moi. Ça va, un. 16. C'est simple, Gap a fait 2ème, Bichard 5ème, moi 8ème, Jimmy 9ème, toi 16, 17 Martin et 18 Titi. Donc en gros, bon, on est pour l'instant, on est vraiment tous très bien quoi. Toi tu vas exploser sur TM toi. Allez mon gars. Ok les amis, Trackmania c'est y part. Trackmania c'est parti. Oh no. Comment je fais pour... je veux recommencer. Je vais me chauffer un petit peu, c'est pas ma map celle-là, mais bon, on va se faire quelques runs rapidos. Donc effectivement, je vous ai expliqué du coup les règles, ça va être... Non mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Ça va être 4 rounds, enfin ça va être 4 rounds, 5 rounds sur 4 maps différentes à chaque fois, voilà. Oh là, ça commence mal déjà. On va se traîner un petit peu là, mais ça commence pas très bien. Bah j'avoue que Gap a bien géré son speedrun, c'est cool pour lui franchement. Ok, parfait. Donc ça c'est l'une des maps qu'on va jouer. Hein. Oh là là, le airtime de ouf! Dommage le début de run que j'ai un peu foiré. Aïe. Bon. Pas que le début que j'ai foiré apparemment. Ok. Ça va le faire. Oh non, il y a TAC dans notre lobby. Mais quel enfer. Mais quel poulet. On va se faire allumer. Oh. Il y a TAC au TAC dans notre lobby. Alors je vous explique juste. Histoire que vous sachiez comment ça va se passer, on est répartis sur 3 lobbies différents. Et à la fin, donc, on va avoir donc un score sur chaque map. Évidemment, l'important, c'est le temps qu'on va faire sur chaque map, bien sûr, vous vous en doutez. Mais ce qui est surtout important, c'est pas le temps qu'on fait sur notre serveur, c'est le temps au global. C'est-à-dire que par exemple, là, vous voyez, j'ai fait une 0-7 sur le tour d'avant. Attendez, je remets l'interface parce que je la cache pour pas me spoiler. J'ai fait une 0-7, vous voyez, donc là, je suis deuxième sur ce serveur pour l'instant avec ce temps-là. Bon, c'est pas encore. La game a pas commencé, quoi. Et pour l'instant je suis deuxième, ça veut pas dire que je suis deuxième sur tout Trackmania en fait, ça veut pas dire ça. Parce que en gros il va y avoir deux calculs, il va y avoir deux classements. Donc c'est le classement par lobby, mais ce qui va être le plus important c'est le classement que vous allez avoir à gauche, qui va être le classement de tous les lobbies cumulés. Donc c'est à dire en fait que notre temps qu'on va avoir là ne sera pas uniquement pris en compte qu'avec les joueurs de notre lobby, mais sera pris en compte avec tous les joueurs de tous les lobbies. C'est à dire que une 0-7... Bah, je serai pas forcément à, je serai pas forcément en 3ème là, tu vois. Ça se trouve, avec une 0-7, je fais 25ème en gros. Et du coup, je gagnerai le nombre de points que la place 25 rapporte, c'est-à-dire, enfin, je crois que c'est 200 points pour le premier pour chaque round et moins 1 pour chaque place en dessous. Donc en gros, si tu fais dernier, tu fais 1 point quoi. En gros. Pour l'expliquer. Voilà. Ok, les amis, allez. Petit Trackmania en légende là. Oh là là. Alors Trackmania c'est le jeu le plus stressant et le plus choquant de la ZLAN hein, aussi hein. On va pas faire de la merde. Venez on essaie de faire la strat safe une fois là pour que... Au moins j'ai fait le cut une fois, je fais la strat safe une fois au moins pour être bien. Oh là là. Faire la strat safe une fois même si je vais faire le cut à chaque fois, on sait jamais. Il vaut mieux savoir faire la strat safe une fois aussi quand même. Ouais. Ouais. Bon, on va faire le cut, hein, je pense, parce que la strat safe, c'est pas trop ça, hein, quand même. Hein. On va pas se mentir. Hein. Bon, j'espère que vous êtes contents, quand même. Hein. J'ai pas fait non plus la perf de l'année, mais c'est pas mal. Au moins, on a fini. Top 8, c'est bien. Moi, mon but, c'était d'être dans le top 10. Je suis content. Putain, mes oreilles, elles vont exploser, sa mère. J'ai mon casque qui m'appuie de ouf sur les oreilles. J'espère que vous êtes contents, quand même. J'ai raté la fin de Minecraft, et comment? Ouais, j'ai vraiment galéré sur le bastion et la trouvaille du Stronghold. Après le reste, ça s'est bien passé, donc voilà. Je vous le dis juste,
en run, je vais cacher l'interface, donc vous ne saurez pas mon temps. Parce que ça me stresse de ouf de savoir. Mais étape 2 dans le titre. Non, on est toujours étape 1 là. Étape 2, c'est après les 3 jeux. Hein. En vrai, si je foire pas trop TM, en vrai, un top 100 sur le puzzle et c'est GG, non? En vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Gagne pitié vraiment. Bah attends mec, on va essayer, attends. C'est gentil de me supplier quand même, mais bon. On va essayer de faire un truc bien. Merci à Mero. En fait, je vais vous dire un truc, le puzzle, je suis nul, hein, mais alors nul, hein. Ne vous attendez pas à ce que je fasse un truc bien. Mon cerveau est lent. De toute façon, je pense que vous le savez, mais je suis nul en puzzle, quoi. Donc du coup, le problème, c'est que je peux faire entre 100 et 2 centièmes hein, sur le puzzle. Donc l'objectif, c'est de faire un bon truc sur les deux jeux précédents pour pouvoir faire top 100, quoi, sur le puzzle. Hein. Et c'est le top 40 au global sur les 3 jeux qui devient capitaine d'équipe et qui est immunisé pour les deux prochains, tours, quoi. Donc c'est-à-dire, les deux jeux en équipe, on est immunisé quoi qu'il arrive. Donc ça va, quoi. Tu le dis à chaque épreuve scolaire de la Zidane. Mais parce que je suis nul, tout court en fait. Non, la seule épreuve scolaire où vraiment j'étais bon, c'était la dictée. Je sais bien écrire. Je sais écrire, je sais faire le calcul mental. Mais par contre, j'avoue que Zutom, c'était horrible pour moi. Et puzzle, en vrai, je préfère puzzle à Zutom hein, quand même. Hein. Je préfère l'épreuve scolaire de cette année que par rapport à celle de l'année dernière que j'ai trouvé absolument horrible, les gars. Donc bon. Je vous avoue. Un puzzle à la main est plus intuitif. Eh ben justement, apparemment, c'est beaucoup plus dur. Hein, justement. Mais en vrai, j'ai mes strats. En vrai. Dicté avec le L Masterclass. Non mais rigolez, mais en vrai on avait fait 3ème hein, quand même. Hein. On avait fait 3ème, j'avais fait la conjugaison en légende. Hein. Maintenant si je refais une dictée, je pense que je suis plus 3ème. Hein. Mon niveau en français a vraiment chuté avec le temps. Hein. À l'époque quand je faisais l'Asilan, j'étais encore en cours, donc du coup j'étais obligé de bien écrire. Là ça fait 3 ans et demi, 4 ans que j'ai fini les cours. 4 ans. Je peux vous dire que là, maintenant écrire, enfin je fais pas de faute, mais bon. Je peux en faire beaucoup plus qu'avant, on va dire. Je savais pas. Et ouais, ouais. On avait fait 3ème de la Zilan à la dictée. Et mais là, cette année, s'il y avait une épreuve de dictée, ça serait la galère, quoi. Oh, wow. Clairement, hein. Merci Desting, merci tout le monde. Pour le puzzle, tu commences par les bords. Ouais, non, mais en fait, ça dépend ce que c'est le puzzle, en fait. Parce que si, les amis, le puzzle, c'est un truc tout noir. Genre, t'imagines, c'est un puzzle où c'est tout noir. Bah là, c'est FF, en fait. Tu vois. Donc bon. On accède à la boutique Zilan. Tu as tout qui est sur le Twitter de la Zilan, si jamais. Les amis, je suis tellement heureux d'être à la Zilan. Tellement content d'être là encore une fois cette année. Et surtout de me sentir bien sur les jeux là. Oh là là. Ça fait trop plaisir, vraiment. Ça fait vraiment plaisir. Je sais que je pourrais pas choper la première place sur Minecraft cette année. Parce que clairement, en fait, le truc c'est qu'il y a des gens qui sont trop forts sur Minecraft, qui sont inscrits essentiellement pour Minecraft de base. Et voilà, genre électricien par exemple est un speedrunner quoi, il est trop fort. Je pense que ça doit être vraiment cool, ouais. Mais c'est ultra stressant, je pense que vous n'imaginez même pas. C'est vraiment ultra stressant. Ah, voilà. C'est vraiment ultra stressant, je vous jure que c'est vraiment l'enfer. Ok, nice. Mais ouais, c'est très stressant hein, pour le coup. Je crois que j'ai trop de speed. Et non! Eh ben, on récupère des bons temps quand même là en vrai. Hein. Franchement, pas mal hein. Bon, le problème c'est que vous avez vu le lobby qu'on a, on a des gens qui sont super chauds. Hein. Et puis t'as pas le stress de pouvoir faire ton équipe, là tu le fais pour toi-même, tu peux être fier cette année. Ouais, je suis content déjà de m'être entraîné comme ça, tu vois. Donc c'est cool. Ouais, Trackmania c'est l'enfer. Hein. Trackmania, tu dois être pixel à chaque mouvement. Là, c'est pas passé loin, tu vois, par exemple. Trackmania, c'est... Vous vous rendez pas compte de la difficulté du jeu, je pense. En haut à droite, vous avez mes contrôles, si jamais ça vous intéresse. Vous voyez le joystick, là, quand je l'incline vers la droite, ça appuie sur la flèche de droite, vous avez vu? Voilà. Et je peux vous dire que... Un input à côté, et tu es dans le chou, hein, vraiment. Hein. Un input à côté, et c'est fini. Donc bon. Allo, c'est la deuxième phase à skip. Oh bah on le sait très bien. Ah hein. Oh oui, on le sait déjà. Hein. On le sait déjà, les gars. Ouais, faut jouer pour savoir, ouais, c'est clair. Fast start. Non, pas encore. Hein. On est en training là encore. Ah, je suis dans la merde là, je crois.
Une 11 en ayant de choc, c'est pas mal. Vous avez encore 1h16 de training. Non, mais pas du tout cela. C'est juste en attendant. Il y a des pièces de puzzle qui ont des bouts remarquables et ça peut grave aider. Ouais, mais vous inquiétez pas, je me suis un peu train sur les puzzles, mais bon. Zera a dit que c'était la seed la plus facile sur Minecraft. Oh sa mère. Zera a dit en live que c'était la seed la plus facile sur Minecraft. En vrai de vrai, pas non plus. Bah en vrai, moi je disais que j'ai passé 8 minutes dans le bastion. Hein. Parce que le bastion, en fait, je l'ai pas trouvé direct, je suis parti à l'opposé et en fait c'était un basalte. Sauf que. Bah parce que j'avais un compteur d'entité énorme en face, c'était un basalte. Ouais. Mais et le basalte était à côté du portail. Il était plus près le basalte que le bastion. Mais du coup, je suis allé au bastion et en fait, je trouvais pas la salle. C'était un enfer. Je trouvais pas où fallait aller en fait. C'était horrible. Ouais. Face au coffre, comment ça? Ouais. Mais les doubles coffres ou les trucs comme ça? C'était pas des doubles coffres qu'il y avait là, c'était des coffres normaux. On va lancer DM dans 5 minutes, ceux qui n'ont pas encore rejoint leur lobby, si vous pouvez lever la main s'il vous plaît. Ouais. Il manque 5 joueurs. Je regarderai parce que je pense que ce soir on rejouera pas à MC. Je regarderai pour demain je pense. Merci pour ces. En vrai ce sera pas un stable je pense, demain ce sera genre autre chose à mon avis. Matox il mettra pas 4 stable je pense. Bah je pense oui. À mon avis. Bah c'est Matox qui a fait les sites d'entraînement donc je pense que c'est Matox qui a fait ça. Surtout qu'il a dit qu'il était fier de moi donc je pense que à mon avis ça doit être lui hein. Ah Matou. Matou, si t'es encore là, c'est toi non? T'es combien sur 10 sur TM? Pour être honnête, 5. Parce que je sais que je peux être très fort comme très nul. Peut-être, ouais, c'est Matou qui l'a fait. Ouais, c'est lui. Mais du coup, Matox a pris des seeds hardcore pour après, mais quel enfer. Ah, le bâtard. Il a pris des seeds de bâtard pour la suite. Ton jeu coup de cœur de la Zilane? Bah Trackmania hein, je pense hein. Ça me fait trop plaisir d'y rejouer hein. Normal que t'apparaies pas sur le classement. Quel classement? Quel classement de quoi? Tranquille t'es le boss, merci Matou. Mais en vrai t'as vu j'ai joué ultra safe, j'avais trop peur mais... Je redoutais les stables, j'espère que t'as pas mis 4 ou 5 stables hein, sur toutes les seeds hein. Je te jure j'espère que t'as pas fait ça. Je redoutais les stables. J'espère que t'as mis un petit bridge très sympa après, tu vois. En vrai, plus la map est dure, moins de gens vont finir, donc bon. C'est classement monde au début de la Zilane? Non, mais là, c'est pas classement monde. Là, vous inquiétez pas. Là, ça va être classement... Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi ma voiture, elle fait ça, là? Ok, c'est bon. Ça va être classement uniquement des gens de la Zilane, hein, vous inquiétez pas. Hein. Et toi, Matou, t'as fait combien sur cette seed en speedrun? Ouais, vas-y, dis-nous tes temps là. Hein? Dis-nous ton temps un petit peu là. Il n'est pas cité dans la liste joueur sur le site de la Zilane. Non, mais faut pas que tu tapes The Guild, faut que tu tapes Guild. Mon pseudo c'est Guild sur le site de la Zilane, pas The Guild. 16:38 sur celle-là. Oh le bâtard. Matox il a fait 16 minutes 38 sur la map là qu'on avait. Et Valiev, il aurait fait pas loin hein, en vrai. Hein. Il aurait fait pas loin de 3, il aurait fait 17, je pense. C'est l'avait pas de choc, Sally. Salut Spoke, salut tout le monde, bonsoir les amis à ceux qui arrivent. Ici on est dissident, on n'est pas sur Zelda Tears of the Kingdom. On est sur Trackmania parce que je trouve que c'est un jeu qui mérite plus de visibilité que ça. Allez. Même en marquant guild, tu n'es pas trouvé. Ah. Attends, je vais aller voir. Je rigole les amis, je rigole. En vrai j'ai hâte de jouer à Zelda quand même, hein. Je vous avoue mais pas avant semaine pro je pense. Je vais vous laisser prendre un petit peu d'avance. Moi je suis comme ça, je suis juste dans la générosité les amis. Je vous laisse prendre de l'avance et je vous rejoins après. Toujours généreux hein. Toujours généreux ici les gars, toujours généreux. Je vous laisse prendre un peu d'avance. Hein. Pourquoi je suis pas sur le site de la Zilane? Vous dites qu'est-ce que c'est que ce délire hein? Classement. Bah si j'y suis. Bah je suis sur le classement là mon gars. Ah mais tu veux dire dans la liste des joueurs tu veux dire? Regardez, j'y suis bien là. Je suis 8ème pour l'instant. Pour l'instant le top 40 voilà. Nico a fait 40ème pour l'instant voilà. Tous ceux qui sont capitaines c'est ceux-là pour l'instant. Donc pour l'instant on est pas mal tout de même. On est quand même plutôt pas mal. On va pas se mentir.
Oui, on se voit top 8 de la Zilane, c'est ça pour l'instant. Hein. Et pour le lien, c'est events.z-lan.fr/public/classement. Mais sinon, vous allez sur events.z-lan.fr. Non, vous avez tout. Tac a fait 10ème. Oui, mais Tac a aussi beaucoup joué à Minecraft, hein, si jamais. Tac est un très très gros joueur Minecraft. Hein. C'est pas, il est vraiment très fort aussi au jeu, donc... D'ailleurs, il a fait les cités de l'année dernière, hein, Tac. Hein. Il a participé aux cités qu'on a fait l'année dernière, les amis. Alors ouais, apparemment, Nagato est pas 16ème, mais, enfin, pas, ouais, pas 16ème, mais 19. Hein. Allez, le jeu, là, faut apparaître. Allez. Ah merde, j'ai pas switché sur la bonne scène, connard. Ah oui, je suis pas sur la bonne scène, bon. Ouais, Tac, je pense que Tac va être chef d'équipe, ça c'est sûr, de toute façon. J'ai passé Windows 11, finalement. Bah, j'ai pas eu le choix, c'est le nouveau PC, j'ai pas eu le choix. Il y avait direct. Hein. C'est qui, électricien? C'est un mec qui atomise tout le monde en speedrun Minecraft. Voilà, je vous le dis. Donc bon. Ah, Skip Gap est très chaud au puzzle. Ouais, mais Gap, il a du mal sur TMA. Donc bon. Y'a combien de personnes qui pourront se qualifier? Là, pour l'instant, en fait, les 40 premiers, donc le top 40 sur 200, devient capitaine d'équipe et devient immunisé pour les deux prochains tours. C'est-à-dire, tous les jeux qui vont venir après, jusqu'à ce qu'on repasse en solo, on est immunisé, on peut pas être éliminé. C'est pour ça qu'il faut être top 40. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer après. Attends, par contre, tu peux voir le temps des gens là dans la room? Putain, ils ont tous fait des temps de malade, hein, par contre. Hein. Oh, c'est quoi ce lobby de ouf que j'ai? Ah, mais ouais, d'accord, j'ai un lobby de fou en fait. J'avais pas vu. Wingo, Tac, Loch Ness sur Win Million. Oslo, Fraise. Ouais, ok, ça va être chaud quand même. Romain, Jacques, Kilou. Étoile. Sinis aussi, je crois, il se débrouille. Mais quel enfer, mais attends, mais on va se faire. Ça va être chaud là. Hein. Le lobby est vénère hein, quand même. Hein. Oh, ça commence. Ok, c'est ciao. Allez, c'est parti, les gars. Allez, on y va. Allez, ça part. C'est parti, les amis. Allez, à partir de maintenant, plus droit à l'erreur. Enfin, c'est pas plus droit à l'erreur, mais c'est qu'on on a un seul essai. Allez, c'est parti, les amis. Ta la ta ta ta. Oui, c'est McDo. C'est le générique de McDo. C'est parce que j'ai faim. Ouais, peut-être. J'aurais peut-être dû boire un coup. Bon, c'est un petit peu tard. Quoique, c'est le warm-up. On commence sur ça, là? C'est warm-up. C'est warm-up ou c'est quoi là? C'est pas warm-up, hein, je crois. Hein. C'est pas du tout warm-up si c'est warm-up. Ok. C'est warm-up. Ça compte pas vraiment. Ça, c'est un round d'entraînement. Et vous connaissez le proverbe. Hein. Un round foiré est une suite réussie. Enfin, un entraînement raté est une suite réussie. Quel enfer. J'ai raté le cut. Let's go. J'ai raté le cut exprès dans le warm-up pour réussir dans le vrai truc. C'est normal. Non mais moi il faut que je rate le warm-up sinon je réussis pas après. Normal. Allez. C'est super. Merci mec, bon courage. Allez c'est parti, là c'est live. Ça joue là. En sachant que celle-là, c'est ma pire map, hein, si jamais. Comme ça, vous êtes au courant. Bien. Avec un petit peu d'airtime, c'est parfait. Allez. Thank you.
Je l'aurais pas. Je respawn direct parce que je sais pas, j'ai pris un mauvais angle, je l'aurais pas direct. J'ai compris que je l'aurais pas. Je prends même pas le risque, j'y vais normal. Hop, voilà, comme ça au moins on assure une place correcte. Voilà, 13ème c'est bien, on assure une place correcte. Parce que j'ai senti direct que je l'avais pas, j'ai préféré pas prendre le risque, j'assure une place correcte. Plutôt que de tenter des trucs de fou. Je préfère pas tenter des trucs de fou. Mais voilà, safe way, pas le cut. Non mais je le tente. Je le tente, si je vois que ça passe pas, je prends la safe way. Une 13 en ayant foiré, c'est très bien. Ça me va. Si je fais une 13 en tentant le cut à chaque fois, je pense qu'on est bien. Ça va. Allez. Non, c'est très bien ce qu'on a fait au premier round, c'est très bien. Oui, ça c'est bien ça. Oui, c'est très bien ça, putain, je suis content là. Je suis très content là, franchement les gars. Voilà les gars, voilà en fait, voilà. Oui, ça va passer mon gars, voilà, on fait des bons trucs là. Merci. Voilà en fait. Voilà. C'est parfait ça mon gars, c'est parfait en fait. Je vous ai dit là, je me sens dans une spirale positive, faut que je le tente ce cut. Faut que je le tente là, je me sens dans une spirale positive là, une 5, putain je fais un round de folie mec. Je crois que j'ai PB en plus, hein. Je crois que j'ai PB là, enfin, je crois que j'ai PB à la Zilan, voilà. Je viens de PB sur cette map à la Zilan, c'est mon PB je crois. Excellent les gars, excellent. Allez, on continue. Ça c'est pas de chance, on va y aller tranquillou. Alors là, là c'est pas de chance là, voilà là. Là c'est assez unlucky, c'est pas grave, on va remonter. Là j'avoue c'est vraiment pas de chance, voilà. C'est pas grave. Ça sera notre run pas ouf, on va dire. On va remonter, regardez. L'avantage, c'est que là, vous voyez, vu que je sais que mon round est foiré, là, celui-là, je suis très détente. Ça va beaucoup mieux, là. Le stress est tombé d'un coup, là. En vrai, je suis curieux de savoir comment je fais en ayant foiré le début, en vrai. Moi, je suis remonté top 20, quand même, déjà. En vrai, si je peux faire top 20, mec, c'est une légende. Hein. Si je l'ai là. Je fais 12ème. Je fais 12ème alors que j'ai foiré le début quand même. Hein. Ah ouais, non, c'est pas mal. What is this chicken? Parfait. Ah non, là, c'est vraiment incroyable. Hein. C'est vraiment insane. Hein. J'ai foiré le début, j'étais 45ème, je suis remonté 12ème. Hein. C'est vraiment incroyable, hein, les gars. C'est vraiment incroyable. C'est parfait, les gars, c'est parfait. C'est vraiment très très bon tout ça là. Je sais pas combien j'ai de points pour l'instant là. Je sais pas. Ah, je dois être dans le top 15 pour l'instant là. Allez. Ok, pas de foirage cette fois. Allez. Impeccable. Impeccable. Safe ici. Pas envie de prendre le risque.
Allez, allez, oui, mon gars. Putain, let's go. Oui, en fait, encore, ça passe. Putain, il passe encore. Oui, mon gars, oui. Putain, je suis trop heureux. Trop heureux. Trop bien. C'est très bien. On continue comme ça, on est vraiment très bien. C'est très très bien. C'est très très bien, messieurs. Allez, on continue. Merci pour vos encouragements dans le chat. Merci. On est bien. On est bien. Franchement, on est bien. Merci pour ces euros. On est très bien. Merci beaucoup. Très bien. Très bien. J'ai tapé 0 fois, c'est incroyable. 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 Incroyable en fait les gars là. Ok, je le prends à la normale, je l'aurai pas. J'ai un rebond de merde. Clairement là, j'ai eu un rebond absolument dégueulasse. Donc je le fais à la normale et on va faire... Et on va faire... Voilà, 20ème. C'était mon pire run. Et en vrai, je fais combien? Je fais une 14. Ouais, ouais, ouais. Non mais là, j'ai eu un très mauvais rebond, là, je l'ai vu. J'ai vraiment un très mauvais rebond, mais c'est pas grave. C'est pas mal. C'est tout de même pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. C'est bien. C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. C'est bien. Franchement... C'était ma pire map et le fait d'avoir fait ça sur ma pire map, je suis très content. C'est vraiment bien, c'est très très bien. Je vais descendre un petit peu du coup dans le classement. Mais vraiment, vraiment, c'était tellement ce que j'espérais. Je suis tellement content, parfait. Parfait, voilà, top 20, c'est nickel. C'est parfait. C'est parfait les gars, allez. Nickel. Allez, map suivante. Le mental était très travaillé cette année, vous avez vu? Le mental cette année, il est là. Ah ouais, c'est pas mal hein. Pas mal du tout ça hein. J'ai fini le warm-up, j'aurais peut-être pas dû. Donc bon. J'aurais peut-être pas dû finir mais bon. Allez, let's go. Allez, ça part là. On y va. On y va. Cette map c'est coin flip hein. Le début est coin flip. Oh là, le double mur, ça régale pas hein. On va safe. Voilà, on a passé l'endroit le plus difficile de la map. Allez, maintenant on y va safe. Je vais ralentir un petit peu, dommage. Là aussi. Une dinguerie qui vient de se passer. C'est une dinguerie qui vient de se passer. J'ai tapé dans le finish. Une dinguerie. J'ai tapé dans le finish, je faisais 10ème. Hein. Comment c'est possible hein, que je tape dans le finish comme ça? C'est pas grave, on faisait 10ème. Donc c'est bon. C'est bon signe. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est un Sakor qui a fait un temps de ouf. Hein. Ah mais attends, mais je faisais un temps de fou, je suis dégoûté. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on y retourne, on se met pas au fond.
Merci pour ces euros de plaisir. Ah, ça fait deux débuts que je rate, là j'ai le seum. Hein. Oh là là. Ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux les gars là, ça va beaucoup mieux, oui. C'est beaucoup 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 mieux. Ouf. C'est top, parfait. C'est beaucoup mieux les gars, c'est vraiment beaucoup mieux. C'est parfait, c'est ce qu'on aime. Allez, on va faire de mieux en mieux sur chaque round, c'est ce qu'on cherche. Faire mieux de plus en plus. Un peu deck de mon premier round là j'avoue, mais c'est pas grave. On y retourne, allez. Oui, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Merci pour ces euros de plaisir. Il m'est arrivé une dinguerie là. Vient de m'arriver une dinguerie là. Allez. Incroyable. Incroyable ce qui vient de m'arriver là. What the fuck. C'est fou ce qui vient de m'arriver là. Alors là, c'est fou. Allez. Ce qui vient de se passer. Merci pour ces euros de plaisir. Oh là là. Et sur cette map ça fait quand même 2 rounds sur 3 où il se passe un truc de fou là quand même hein. C'est la map la plus coin flip de l'histoire hein. Je vous le dis, cette map c'est... Merci. C'est chaud hein. J'ai découvert un nouveau cut les gars. Un nouveau cut en direct de la Zealand les gars. J'ai découvert un nouveau cut. Et ouais. Bah c'est pas tous les joueurs qui peuvent faire ça, mais bon bref, moi je suis joueur spectacle pour les caméras, mais bon. Allez, on se remet dedans. Allez go. J'en ai marre de pas réussir mon départ là, ça me fait chier. Hein. Parfait. Oulala. Ça va beaucoup mieux. On a un peu plus de speed quand même, ça va beaucoup mieux. Allez, on rattrape ça, allez. En fait, je me demande si c'est pas ça là ma pire map hein, finalement. Quand je vois le temps que font les gens, je me dis. Peut-être le cut dur à régu à la map d'avant, les gens. C'est ça qui me faisait gagner. Mais en vrai, ça va, je régule presque le top 10 là sur cette map, c'est bien. Hein. Valier qui est en train de faire une remontée de ouf. C'est bien mon gars. T'es en train de faire une remontée mon gars, c'est bien ça. Quel boss hein. Je vais voir. Hein. Ça va en vrai, ça va de ouf hein. Ça va de ouf hein. Jimmy s'en sort ou pas du tout? Il est où Jimmy? Ouais Jimmy là, il y a quelques galères hein. Bon. Franchement ça va de ouf hein. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Ça va mieux. Pas terrible là. Let's go. Parfait. J'ai régulé quasiment le top 10 sur cette map, c'est parfait. On a fait 10ème, 10ème, 10ème. Top, voilà, parfait.
Nickel, allez, là maintenant on passe aux deux maps plus cool. C'est laquelle? C'est la quatrième là? Ok. Ok, c'est la quatrième map. Pareil, la difficulté de la map suivante c'est qu'il y a deux tours. Voilà, je vous le dis. Il y a deux tours. Mais c'est très bien, c'est très bien. Parfait. Pour l'instant on se débrouille très bien, c'est parfait. Ça me va. Allez. En plus j'ai l'avantage d'avoir fait un très bon truc sur Minecraft, donc ça me permet de... d'être bien sur TM quoi. Si je fais un truc moyen sur TM, je suis bon quoi. Merci, merci Light. Mais oui, c'est bien, c'est très bien les gars, c'est très bien. Je suis content de ce que j'ai fait, c'est très bien. C'est parfait. Je sais que j'aurais pu faire mieux, mais franchement, je suis content quand même. Genre, j'ai pas choqué, tu vois. J'ai fait un truc ok, moyen, bien. Genre, c'est pas le truc de l'année, mais c'est bien. Voilà. C'est ce qu'il faut. On va chercher cette map là. Elle est pour nous, cette map, les gars. Vous voyez la difficulté de cette map? C'est que là on a beaucoup plus de speed, donc c'est le même tour mais avec beaucoup plus de speed. Et c'est ça 5 fois. Hein. L'une des maps les plus dures. Hein. Putain, le temps de ouf, je suis en train de faire. Aïe. Ah ouais. Ah ouais, c'est... Ah ouais, c'était pas mal, hein. Putain, troisième. Ah ouais, c'était pas mal du tout, hein. Ah ouais, c'était sympa, ça. Allez, go. Allez, les amis. Allez. 5 fois cette map, hein. Allez. Et après, la première map, ça ira beaucoup mieux. L'autre map, ça, après, ça ira beaucoup mieux. Ça sera beaucoup plus facile, normalement. Enfin, c'est pas plus facile, mais c'est que ça va, quoi. Allez. Elles sont dures, les maps, vous avez vu, hein, cette année? Ouais, j'ai préféré safe, hein. Je suis désolé vu que j'ai tapé un lampadaire, j'ai préféré safe, je suis désolé, j'étais obligé. Oui, voilà, c'est bien ça. Parfait, bon j'ai trop de airtime mais c'est pas grave, on est bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est très bien. Allez. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien, très bien, très 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 bien. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. 5 fois ça, je suis le plus heureux. C'est parfait, 5 fois ça et je suis très heureux de ce que j'ai fait. C'est parfait après. Putain, Croco, il est en train de faire une masterclass. C'est un truc de fou, vraiment. Hein. Vous voyez qu'il est en train de remonter de ouf là. En vrai, je suis 10ème du serveur, c'est bien. Ok, on se remet dedans, allez. On save ce cut les gars. Voilà, parfait.
Oh sa mère. C'est bien. Voilà le airtime de ouf que j'ai, mais c'est pas grave. Comme ça au moins je suis safe et j'ai pas besoin de respawn. C'est parfait. Ah, je vais perdre beaucoup de place là je pense. J'ai perdu une place. Oui, c'est bien. C'est très bien. Pas le mur, let's go. Ah yes. Yes. 8ème, yes. Putain, c'est bien ça. Je sais pas combien on est dans le serveur, mais... Ah ouais, on est pas mal quand même. Hein. Ah ouais, on... beaucoup quoi. C'est bien, let's go. En plus le truc qui est cool c'est qu'en fait on régule tout le temps ce truc là en fait. C'est pas genre on fait 8ème puis 15ème puis 8ème puis 15ème. En fait, ce qui est vraiment cool c'est que nous on fait tout le temps la même place. Alors que s'il y a quelqu'un qui fait genre 6ème puis après il fait 45ème puis 6ème puis genre 20ème, bah ben, on sera forcément mieux que lui du coup. Donc c'est bien. C'est très bien ça. Je suis content. C'est chaud là non? Oh non, ouh, sa mère, j'ai tellement de chance. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance, les gars. Pour l'instant, je n'ai pas encore respawn une seule fois, c'est parfait. Bien meilleur le deuxième hein. Là pour le coup là. C'est bien. Ouais putain c'est bien ça. Allez. Mais oui, voilà les gars, voilà en fait, voilà, j'ai choke et je suis remonté quand même, vous avez vu, voilà, c'est ça en fait. Hein. C'est ça que j'aime bien, c'est que même quand je choke, je reviens de mon choke en fait. Merci pour ces euros de plaisir. Même à chaque fois que je choke, je reviens de mon choke en fait, c'est ça le truc qui est cool. Je reviens tout le temps, mon gars. On va pas monter comme ça, mon gars. Hein. T'as Loch Ness qui fait une 16, hein, c'est un truc de fou. Hein. Loch Ness, tac TM, Wingo. Voilà. Putain, je suis choqué de Oslo par contre. Hein. Oslo, ça me choque de ouf. Hein. Ok, c'est fini la map. Ah non, c'est pas fini. Il reste deux rounds. Ça crash, non? Ça crash. Non? C'est bien. Pourquoi il a pas drifté? C'est pas grave, pas de respawn, c'est le plus important, on revient. Comme tout à l'heure, on revient. Ah c'est ça que je voulais faire tout à l'heure en gros. Ah je crois que là je suis dans la merde, il va falloir que je prenne vraiment très haut parce que là je crois que... Je sais pas si je passe, mais je passe mais c'est limite hein. Heureusement que j'ai vraiment pris très haut exprès pour pas tomber. C'est bien, c'est bien, on est revenu là les gars. Oh non. On est revenu les gars, on est revenu, encore une fois on est revenu. Voilà, le round de merde mais on est revenu, encore une fois. Le round de merde et on est revenu encore une fois, voilà. Merci pour ces euros de plaisir. Ouais moi aussi,
Moi aussi, Tom Scotch, je stresse de ouf. Hein. Là, t'es top 10, mec. Bien joué, mon gars. Putain. Pour l'instant, il est dans le top 10, Bali. Allez. En train de revenir, c'est bien. Je sais pas combien je suis, je dois pas être très très loin, je pense. Si. On va voir. Je suis 19, c'est excellent. C'est excellent. Je suis 19, c'est excellent. C'est ça que je voulais faire avant, voilà. C'est ça que je voulais faire, voilà. C'est ça que je voulais faire tout à l'heure, voilà. Excellent. Airtime énorme. C'est pas grave, tout le monde est safe. Et le PB! Et le PB, mon gars! Sur cette run! Putain, let's go! Et le PB qui tombe! Et le PB qui tombe sur ce dernier round! Ah, merci! Putain, quel run de fou! Et le PB qui tombe en plein round de la Zilan, mon gars! Ah, ça va bien! Putain, je suis content! Merci pour les GG, les gars! Merci! Oui, ça va beaucoup mieux là. Oh, c'est un très très bon round qu'on vient de faire là. C'est vraiment un très très bon round. Ah ouais. Très 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 bon round qu'on vient de faire qui nous met vraiment très bien parce que je pense que globalement on a fait vraiment... Ça nous fait prendre des bons points. Et là il me reste une map, normalement ça devrait aller. Donc on est pas mal. Pour l'instant on est combien? Fais voir. Mais pour je suis très content de ce que je fais sur TM pour l'instant, c'est vraiment un miracle. Enfin, c'est pas un miracle mais je suis toujours 19. Et c'est vraiment pas mal hein. Je vais faire le truc, hein, vous inquiétez pas. C'est vraiment pas mal du tout. On est vraiment pas très loin en plus en points là. 3225. Regardez, il y a vraiment que dalle de points qui nous sépare du top 10 quasiment. Vraiment, hein. C'est vraiment très très serré, hein. Les escaliers, on les connaît. Voilà, je les ai foirés par exemple. Là, je les ai foirés par exemple. Voilà, là, ils sont très bien foirés, c'est parfait. Allez, on va faire la safe way. Parfait. Bon, je finis, mais voilà, j'ai fait un très mauvais warm-up, c'est parfait. Bon, après, j'ai joué 10 secondes après, mais bon. Allez, let's go! C'est bien. Incroyable. Oh, je suis safe. Aïe aïe aïe. Ah, oh oui, c'est bien. Pas beaucoup de speed, mais c'est pas grave.
joué mon gars. On fait le même temps mec. Bien joué. Bien joué. Merci. Let's go, c'est bien. On fait 6-7-8. Très marrant. C'est très marrant quand même. C'est très bien. Ouais, c'était vraiment pas mal. C'était vraiment sympa de ouf. En vrai, je suis vraiment content, putain. Et j'arrête pas de le regarder parce que vraiment, je suis content. Hein. Alors là, vraiment, j'arrête pas de le regarder, mais... Oh, je suis trop content, là. Ça fait plaisir. Allez. On est bien, là, dans le mental. Allez. Ok, on l'a safe. Ah, ça, c'est chiant que ça arrive. Voilà, on va pas se mentir. C'est chiant. Ça passe. Quoi ? Oh non. Oh non, j'avais pas passé le CP. Ok, l'enfer. Ok, bon, on va safe. Ok, on va la safe. Faut que je finisse absolument. Oh non, c'est l'enfer de ouf. Hein. Bon, ça va. On va avoir le temps de finir, mais... OMG. Alors là, c'est vraiment dommage, hein, ce qui vient de se passer, là. Pas grave, on stresse pas, on finit. Le moindre point est important. Le moindre point est important. J'ai le temps de finir. On va prendre la safe way pour être sûr. Voilà, parfait. Le moindre petit point est important. Ça va. Pas non plus 6 kata, ça va. Je vais un peu shooter. Je vais perdre 2 places, je pense. Mais le moindre petit point est prenable. C'est pas grave. Merci pour ces euros de plaisir. Comme par hasard, t'as POV passé chez Zera et tu t'es raté. Ouais, non, mais après, ça arrive, hein. Et là, je me suis raté. Voilà. Hein, remontrez-moi chez Zera, là. Ça m'a motivé ce que tu m'as dit. Regarde, je suis en train de faire une dinguerie. J'ai pris le mur, c'est pas grave, ça m'évitera de ralentir après. Alors ? Alors, et là je me suis foiré sur celle-là ? Ouais. Elle a une bonne glace de loco là. Excellent. Oh le temps de fou, let's go, une 6. Très bien. Yes ! Allez on revient, bon, j'ai perdu beaucoup de points mais on revient. C'est pas grave, bah oui forcément ça m'a fait... Bah j'ai perdu 100 points hein, sur le round d'avant. C'est pas grave, on revient les amis, c'est pas grave. J'ai fait un mauvais round, voilà. J'ai fait un mauvais round sur toute la session Trackmania. C'est pas mal. Un mauvais round sur toute la session TM, c'est ok. Franchement, c'est ok pour l'instant en tout cas. Allez, et là on va remonter un petit peu. Allez, objectif, reprendre les 2 places qui m'ont été prises. Allez. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Pourquoi ça fait ça là ? Ça m'est jamais arrivé, pourquoi ça fait ça? C'est quoi ce merdier là? Valier aussi a une dinguerie mais... What the fuck, ça m'est jamais arrivé ce qui s'est passé là. Vraiment hein. Ça m'empêchera pas de faire un bon temps, c'est pas grave. Je vais gratter des places sur le grass slide, allez voir.
J'avoue que là, putain, ça m'a mis mal, hein. Je peux pas gratter 5 places là en vrai là, en légende. Allez. Oh j'ai gratté, ouais ça va, ça va. J'ai un peu gratté quoi. Il m'est arrivé une dinguerie mon gars. Il m'est arrivé une dinguerie. Mais toi aussi d'ailleurs, on a fait le même temps. Et moi il m'est arrivé au... Il a pas voulu passer, genre la voiture elle s'est retournée. Ouais, pas compris. Ah ouais, non mais laisse tomber hein. Non mais c'est bien. On s'est bien rattrapé honnêtement. C'est le dernier round apparemment. Allez. On fait comme tout à l'heure, on PB. Bien. Ça passe ça? Waouh, waouh, what the fuck? Comment ça, ça passe? Bah ça va être vraiment PB hein. What the fuck? Quel poulet, c'est PB. Oh c'est pas PB. Non. Allez. Non, je suis dégoûté sa mère. Ma glace, horrible, c'est pas grave. Ça va. Putain ma glace, non, je suis dégoûté. J'allais faire une 0-4, j'allais faire 3ème. Dommage, c'est pas grave, c'était bien quand même. Je pense que du coup ça m'a, la dana map m'a coûté pas mal de place. Ouais je vais tomber, je vais faire ouais je vais bien tomber même je pense. Mais voilà, c'est pas si nul je pense. C'est pas si mal à mon avis. Tu combien? 25ème, c'est bien. Ouais franchement ça va. Ça va mec. Ça va. Hein? Ouais, bah moi j'ai fait de la merde là un peu sur les deux derniers rounds là, mais ça va. 25ème, ça va. Je pense que si j'avais pas fait de la merde, j'étais dans le top 17-18, mais c'est très bien, 25ème, c'est bien. Parce que du coup, ça fait 8ème, 25ème, on est toujours très bien. On est toujours très bien, les amis. Vali avait fait 19ème tout à l'heure, et là il fait combien? Il fait 14ème. Je vais peut-être voir par rapport à Valier combien je suis là. Merci pour ces euros de plaisir. Je crois qu'on a exactement le même score avec Valier. Je crois être genre à une place de lui. On doit avoir le même score. Et est-ce que le puzzle, ouais, c'est ça, ouais, pour la première phase. En vrai, je pense qu'on est pas mal. Pour être honnête, je pense qu'on est pas mal. Wingo va bien remonter. Mais Wingo va remonter. Moi, je vais descendre un petit peu. En vrai, je pense que je dois être pas si mal. Hein. Je dois être vraiment. Oslo doit être là. Je dois toujours être dans les 7-8, je pense, là, en vrai. Hein. On va attendre que le classement se mette à jour, mais je dois toujours être pas si loin que ça, hein, pour être honnête. Hein. Bon, en vrai, ça va. Honnêtement, ça va. Il y a eu juste quelques run choke, mais en vrai, ça va. Tu es 16e ou 17e? Mais pas du tout, mec. Pas du tout, je pense pas. Je pense pas être 16e ou 17e, à mon avis. Ah, quoique, en vrai, si, c'est possible, en vrai. Attends. Si, parce qu'attends, devant moi, il y a qui? Il y a Loch Ness, il y a Fraise. Il y a Oslo, il y a Tac. Il y a Crocodile, de sûr. Il y a Arsnif. Wingo. Étoile est derrière moi. Je pense que je suis dans le top 15, hein. En vrai. Je pense que je suis dans le top 15, hein. On t'en fait voir. Est-ce que ça a été mis à jour ou pas du tout? Non. On n'a pas le classement sur Trackmania? J'aimerais bien voir le classement sur TM. Voir le dernier match, hein. Merci pour ces euros de plaisir. Là, regardez. Là, ça charge pas, là. Ça charge pas du tout, là. Mais je pense que je dois être là, dans ces eaux-là. Je dois être ici, hein. Ouais, normalement, à moins d'un énorme choke, je devrais être dans le top 40. Si on est dans le top 40, on est immunisé pour la suite. Et c'est exactement ce qu'on veut. Après, tout est remis à zéro et c'est reparti. Donc, c'est parfait. Nous, on vise juste le top 40.
Une fois que je suis dans le top 40, je suis immunisé pour toute la soirée. Normalement, on est sûr d'être tranquille jusqu'à demain. Et demain, il faudra rejouer à fond. Donc là, c'est bon. Notre épreuve d'immunité, on est bien. On va bien voir le stream de Zera. Ça va être 10 chez Zera, non? Je vais voir. Je vais aller voir. Ouais, je suis top 25 sur Trackmania, je sais les amis, oui. Je suis top 25, je parle en général. Je pense que je suis dans le top 10, entre 10 et 15, je pense. 25, mais j'ai full choc à la fin. J'étais pas loin de toi en point, honnêtement. Et puis la dernière, j'ai fait 3 rounds, j'ai fait 50. J'ai fait 50ème sur 2 rounds parce qu'il m'est arrivé 2 dingueries. Mais c'est pas grave, au moins je préfère choc maintenant qu'après, tu vois. Et 25, je pense que normalement on est au même score, normalement. Normalement on est au même score parce que t'as fait 19ème au début. Là tu fais combien? Tu fais 14? Ouais, on va le faire. Tu fais 19-14. Ça fait combien 19-14? Ça fait 33 au total, 33 points. Et moi je fais 8 plus 8-25, ça fait 23. On est exactement à la même place. Exactement à la même place. Avec Valier. Ok, il faut que je lance mon logiciel là. Vas-y, attendez. Il est ouf mon Zilan contrôleur. Il est là, il faut être là-dessus. Je fais ça et je fais ça. C'est bon là. Ok, c'est bon. Ok les amis. Faut être combien pour être qualif? Pour être capitaine, il faut être top 40. Et Gap, il a fait combien sur Trackmania les amis? J'ai pas vu, j'aimerais bien voir en fait sur le classement là. J'aimerais bien voir... bordel. J'aimerais bien voir sur TM là, combien il a fait Gap. 48. Ça charge pas. Il a fait 48 ça, c'est pas mal ouais 48. Hein. Bon par contre, on va lui passer devant du coup Gap. Il fait 2 et 48, nous on fait 8 et 25. En vrai on se rend pas compte mais 8 et 25 c'est pas mal hein, les amis. Hein. Attends, j'en ai marre d'entendre leur voix là, attends. On se rend pas compte mais 8 et 25 c'est pas mal. Hein. Je vais pas vous mentir. Hein. Voilà. Non. Non non, je suis au moins dans le top 10. Mais on a le même score mec. On est tous les deux top 10 je pense. Là. On est dans le top 10 tous les deux ouais. Non non mais je pense que ça va quoi. La balle perdue. Mais quoi, j'ai rien dit, j'ai juste dit que j'en avais marre d'entendre les voix parce que c'était trop fort dans mes oreilles, c'est tout. Je croyais que c'était moi demain, Lazilan. Mais comment tu peux croire que c'est demain? Je fais des TikTok, je fais des réels, des shorts, des vidéos, des posts sur Discord, sur Twitter, sur machin. Comment tu peux croire que c'est demain? Comment tu peux te tromper de date? J'ai fait 5 milliards de trucs. Comment c'est possible? 33 points, c'est 16ème de moyenne, donc ça devrait être par là. Ouais, mais non, mais comptez pas comme ça, les amis, parce que regardez. En fait, comment ça se passe hein? En gros, là par exemple, Gap, tu vois, il a fait 2ème. Sauf que là, tout à l'heure, il a fait 40. Enfin, là, il a fait 48ème. Donc, du coup, tu fais 2 plus 48. Ça fait 50. 50 points au total. Le classement, c'est très simple. Ça commence par les gens qui ont le moins de points et ça avance jusqu'aux gens qui ont le plus de points. Donc là, moi, j'ai fait 33 points au total sur les deux jeux. Du coup, entre 8 et 25. Donc, ça fait 33. Je crois, hein, si j'ai bien calculé. Gap, tu vois, il est à 50. Donc, il est beaucoup plus loin que moi. Alors que Gap a fait 2ème tout à l'heure. Donc, faut pas compter comme ça. Quelqu'un qui a fait premier là, s'il a fait 150 là, bah, il est 150ème, tu vois. Donc, bon. Il est aigri là MDR. Non mais pas du tout mec, mais absolument pas. Je suis pas du tout aigri justement, je suis trop heureux justement mec, au contraire. Attends, écoute. On écoute. Neuvième, pourquoi vous dites neuvième? On va aller voir. Si je suis dans le top 10 général, je suis très content. Hein? Et ouais? Où c'est que t'as vu ça? Bah ouais, tout le monde me l'a dit aussi, mais vous voyez ça où? Ah ouais. Merci pour ces euros de plaisir. Ah putain, tu m'es passé parce que t'as fait 13ème. T'as fait 13ème, pas 14. Pas mal. Attendez. Ah bah tiens, on va écouter. Voilà. Let's go, le classement de fou. On est bien, les gars. On écoute. Ciao. On va partir sur l'épreuve puzzle maintenant. Il faut lancer les Zilan contrôleurs. On est bien. S'il est déjà ouvert, fermez-le, relancez-le. Et normalement, vous avez le NT. Désolé. Oui, c'est bon. Ah ouais, électricien, c'est ciao. Hein. Ah ouais, électricien, il a fait 103ème sur TM. Ah ouais, vous voyez, regardez. Vous avez vu, regardez. Électricien, il a fait premier sur MC. Il a fait 103ème sur TM. Vous avez vu, c'est ciao hein, maintenant. Hein. Là, c'est ciao. Un choc du puzzle, il est out. Hein. Jimmy Boy 21ème aussi. Hein. Pas mal, hein. En vrai, classement de fou, hein. Franchement, top 10, banger pour l'instant, hein. Top 10 de la Zilan actuellement.
Très très bien pour l'instant. Et encore, j'ai un peu de choc TM. Je pense que j'aurais pu faire entre top 15 et top 20, je pense, sur TM. Donc si j'avais fait entre top 15 et top top 15 et top 20, j'aurais été beaucoup plus haut. Mais du coup, c'est bien. Ah, Little Big Whale, c'est là. Franchement, je suis content. On a fait un bon truc. Hein. Franchement, je suis très content. Mais c'est un truc tactile, mais c'est incroyable. Mais c'est la nouvelle technologie. Mais c'est fou. Mais c'est fou. Martin, j'ai pas vu, il est 32ème. Bon bah les amis, écoutez, maintenant, normalement, ça nous laisse quand même une grosse marge de choke. Hein, parce que là, normalement, ça nous laisse quand même une grosse marge de choke. Fais voir, attendez, je veux voir un truc. Ok, donc moi, je suis à 33. Le top 40 pour l'instant est à 104. Donc ça veut dire que, quoi qu'il arrive, si je finis top 70, je suis dedans, quoi qu'il arrive. Normalement, si je suis pas trop nul en maths. Si je suis pas trop nul en maths. Ouais, d'accord. Oui, non, mais je sais, je vais me focus sur le puzzle, mais parce que je dis ça, parce que je suis à chier en puzzle, hein, c'est mon pire jeu de la Zilan, donc on va le voir qu'une fois, heureusement. C'est maintenant, mais là je suis content parce que même si je sais que je ultra choke, parce que ça peut arriver. Donc, voilà. Mais tu dois être dans le top 70. Bah, franchement, si je suis dans le top 70, je suis content, hein, parce que puzzle, je suis éclaté sa mère. Hein. Donc bon. Un petit top 50 puzzle, je suis heureux, hein, pour être honnête. De ouais, toute façon, je pense que même si je fais top 100, je suis dedans, hein, pour être honnête, à mon avis. Bon, allez, en vrai, ça serait énorme, et là je surperf et je fais top 10 en puzzle, et bam! Incroyable. Et voilà, Loch Ness 06, hein, vous voyez, pour moi, j'ai mis ma petite pièce sur lui, hein, qui était très très fort à cette Zilan, voilà. Putain, Loch Ness, il fait deuxième. Qui a fait premier sur TM? Nico, qui fait premier sur Trackmania. Deuxième, Loch Ness. Troisième, Wingo, peut-être? Non, il est où, Wingo? Qui a fait troisième? Ah, c'est Tac, Wingo, Oslo, Fraise. Eliodar, septième. Où est le huitième? Huitième, Sardoche. 9ème Kenny, 10ème, 10ème sur Win, 11ème Forza, ouais ça revient, Forza. Ouais franchement, je trouve que c'est pas mal là, je trouve qu'on est bien, on est bien.